Eh bien salut tout le monde, c'est Desi. Et puis comme vous pouvez le constater, on se retrouve donc sur le pour le vidéo test de Tomb Raider, la révélation finale. Donc sorti en 1999, développé par Core Design et édité par Eidos Interactive. Ça ne change pas. Et là déjà je vous laisse apprécier cette petite démonstration dont on a la présentation là. Qui est pas trop mal. Mode démo. Pourquoi ils ont marqué ça mode démo? C'est une démonstration, c'est pour ça? Je comprends pas trop là. En même temps démo ça veut dire démonstration, je suis bête. Bon. Faisons nouvelle partie. Je vais vous montrer depuis le début du jeu comme d'habitude. Et là vous voyez déjà qu'il n'y a pas de mode dans la demeure de Lara. Donc je vous laisse apprécier la cinématique. Qui était plutôt courte. Je vais prendre un petit bonbon Ricola. Maintenant je suis quand même devenu accro à cette chose. Je vais s'apprécier. Cela fait des siècles que personne n'est entré dans ce tombeau. Cet endroit me donne la chair de poule. Cambodge 1984. Lara était donc âgée de 16 ans et puis c'était sa première aventure avec le chercheur Werner von Kroy. Donc là j'essaie déjà de regarder s'il n'y a pas de petits secrets par-ci par-là. Donc vous voyez déjà qu'il y avait des effets de lumière qui ont été instaurés dans cet épisode. Histoire de rajouter un peu plus de... Voilà, de beauté, de richesse au niveau du décor. C'est pas... Ouais, c'est vrai que c'est pas dégueu. Ne vous fiez pas aux apparences. Des pièges millénaires guettent les inopportuns. Restez près de moi et suivez mes instructions. C'est une trousse, n'est-ce pas? Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un crâne. On peut le prendre. Ouais. C'est un secret. Hein. Super bien caché. Ça, je vous l'accorde. C'était... un peu trop facile. Y a rien en face là sur le rocher d'en face? Non, y a rien apparemment. Rien du tout. Donc là en fait on arrive dans une espèce de trilogie dans Tomb Raider. Celui-là étant le premier opus de cette trilogie. Bien sûr bon. C'est un nouvel épisode après Tomb Raider 3. En fait ils ont voulu tout simplement vraiment dessiner un véritable scénario autour du personnage de Lara. Parce que dans le premier c'était pas tellement poussé, dans le deuxième non plus, dans le troisième non plus, donc là ils ont vraiment voulu faire une histoire autour de Lara, de ses origines, de son histoire à elle tout simplement. Et là on a donc Werner von Kroy, notre tuteur, on peut dire ça comme ça, qui va en fait nous apprendre toutes les ficelles du métier. Donc c'est un épisode qui n'a pas été très bien accueilli, parce que disons que... Justement, les gens croyaient à l'époque que c'était une suite en fait de Tomb Raider 3 et Tomb Raider. En fait, ils l'ont pas pris dans le bon contexte, je pense. Étant donné qu'en fait c'était un jeu nouveau, c'était un nouveau jeu en fait avec un nouveau scénario, tout ça, voilà. Donc lui, il est gentil. Je peux passer maintenant? Ah bah d'accord. Non mais c'est quoi ces conneries? Attendez, mais dans le cas, j'ai perdu. Ok, perdu. C'est ça en gros, hein. Perdu. Non mais c'est quoi ces conneries là? C'était bidon. Oh mais non, ils sont sérieux de faire des trucs comme ça? C'est bidon hein. N'importe quoi. Ah c'était bidon là. Oui allez, on peut pas passer ça. Oh non mais attendez, c'est quoi ces conneries? Oh là 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 là. On commence encore mal la vidéo. Et ça c'est de sa faute là, je croyais qu'il avait désactivé le piège. Donc je suis passé en croyant que il l'avait désactivé mais... C'est assez bizarre ce qui vient de se passer. Doucement, ne vous fiez pas aux apparences. Des pièges millénaires guettent les inopportuns. Oui, ça je sais, oui. Mais je suis au courant, merci. Je disais donc, oui, les gens n'ont pas pris le jeu dans le bon contexte, étant donné qu'ils pensaient que c'était une suite directe du 3, du 2, du 1. Alors qu'en fait, c'était tout simplement une nouvelle trilogie. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Tomb Raider la révélation finale et non pas Tomb Raider 4. Les hommes courageux ont donné leur tout simplement. Les informations que
Donc d'ailleurs, le deuxième épisode de cette trilogie s'appelle Sur les traces de Lara Croft. Je vous en dis pas plus d'ailleurs, mais bon, je pense que vous avez déjà entendu des rumeurs sur ce jeu, surtout sur celui-là, sur la révélation finale. Donc la fameuse rumeur, bon là je vous le dis, hein, attention, il y a du spoil. Hein. Je vous laisse 3 secondes, 1, 2, 3. Lara meurt à la fin de cet épisode, bien entendu. Bon, qu'est-ce qu'il fait lui? On va le suivre. Suivons-le. Le premier obstacle, un petit saut pour tester votre... Oh, petit saut, bon, c'est pas méchant, hein. Appuyez sur la touche marcher et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche avancée. D'accord. Faut que je fasse gaffe avec ces bonbons Ricola. Hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. Ils ont marqué que ça pouvait donner un effet laxatif. Faut que je fasse gaffe. Faut faire gaffe avec ces bonbons Ricola. C'est marqué, hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Là, je dis pas ça pour troller ni rien. Non. Ah, un crâne. Je m'en doutais. Je m'en rappelais en même temps. Petit souvenir. Donc après, je sais pas si... Tomb Raider, enfin sur les traces de Lara Croft, je pourrais vous le présenter sous son meilleur jour, puisque j'ai pas de très très bonne expérience, c'est pas une bonne expérience avec ce jeu, alors qu'avec celui-là j'ai quand même passé du temps. Je l'ai pas fini malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'y consacrer plus que ça. J'ai dû faire, allez, sans déconner, j'ai dû faire 2, 3, 4 niveaux, grand maximum en fait. Et après, bah, oula, il va le tuer, regardez-le. Allez, regardez, ça va être épique. Mais il faut un coup de cut. Oh mon dieu, quelle lenteur. Essaye encore. Il veut le tuer, attention, regardez. Il l'a eu. Oh, bien joué. Et il disparaît. Quelle horreur. C'est là qu'on voit que c'est plus du tout le même jeu. Hein. Bon, le gameplay reste le même, mais... c'est plus le premier Tomb Raider, voilà. Bon, c'est aussi qui a été très très mal accueilli, hein. Doucement, Lara. Le manque de respect est la voie royale vers la négligence. Notre voie ne mène que de l'autre côté. Mais je ne manque de respect à personne, moi. L'espace est... Ok. Bon. Je sais pas pourquoi la cinématique s'est coupée, là. Je sais pas du tout. La 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 la. Ah, peut-être qu'il y a un truc dans l'eau. Regardons depuis près. D'accord, j'ai cru que c'était plus profond. Y a pas un crâne quelque part? Ça m'étonne, ça. Ah, là, regardez-moi ça. Doudoudoum. Ah, hein. Ça me sert à quoi, ça? Non. Non. D'accord, non, ça sert à rien ce que tu fais. Non, ça sert à quoi les crânes en or? Je sais plus du tout. Je sais qu'il y avait une utilisation bien précise, mais là, je pourrais pas vous dire laquelle. Petit bug de son, ça c'est étrange. Allez. Ah, le rythme s'accélère maintenant, ya. On travaille. Ya, der Wiedersehen, or Wiedersehen. Allez. Pour celui-ci, il faut prendre de l'air. Oh, putain, j'étais en train de prendre mon élan en plus. Regardez un peu comment il est rigide. La rigidité. Elle le fait pas. C'est à moi de le faire, c'est ça? Quoi? Oh putain. Perte de temps sur perte de temps. C'est le niveau le plus facile, hein. C'est le premier niveau en fait qui nous explique un peu comment ça s'est passé. Pourquoi, tout ça. Elle ne parle plus à Werner von Kroy. D'ailleurs, le dernier épisode de cette trilogie, c'est L'Ange des Ténèbres, pour ceux qui l'ignoreraient. Je vous présenterai aussi, attention, hein, tous les Tomb Raider vont être présentés, de toute façon. Ça, maintenant, vous êtes avertis. Putain, voilà, chope le bord, c'est bien. Tous les Tomb Raider seront présentés, du plus mauvais au plus bon. Là, déjà, pour l'instant, je vous ai fait déjà les 3 premiers. Donc, maintenant, avec celui-là, ça fait déjà 4, sachant qu'il y en a eu, étant donné, sans que je dise de conneries.
Bon, bien sûr, je passerai sur les épisodes, sur l'épisode Lara Croft machin là, avec vue de dessus là, ça c'est vraiment pourri. The Last Guardian, voilà. T'es un super héros, Werner. Oh putain, le papier peint au plafond. Oh, c'est pas un ciel ça, hein, les gars. C'est pas un ciel ça. Regardez, tout comme on dirait du sable mouvant. Ah là 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 là. Ils auraient peut-être dû le. Là, on voit tout de suite que c'est même pas, allez, sans déconner, à 10 mètres au-dessus de la structure, quoi. Ouais. C'est un peu trop collé, quoi, au décor. Courez jusqu'au mur, appuyez sur la touche avancée et maintenez, enfoncez la touche action pour vous agripper. Puis appuyez sur la touche droite pour progresser. Oui, monsieur. En fait, ça nous fait office de tutoriel, en fait, hein, pour ceux qui l'ignoreraient. Ah là 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 là. Très épique, très épique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Pas de grands changements. Hein. Après, on peut toujours ramper. On peut toujours faire le saut de l'ange, comme vous avez vu tout à l'heure. Enfin, pas de grands changements. Lara qui a été un peu mieux modélisée au niveau du visage, qui a été retouché tout simplement. Après, il n'y a pas grand chose. Hein. Elle a plus de polygones, c'est tout. Et ça s'arrête là. Après, il y a de la restriction. Vous avez vu, il n'y a pas de. Il n'y a plus le manoir de Lara. Enfin, ça, c'est un peu dommage, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Entre le 3 et puis celui-là, pourquoi ils ont retiré la demeure qui faisait office de tutoriel? Tout simplement parce que le tutoriel de la demeure a été remplacé par celui-là, voilà. Pour qu'on soit complètement plongé dans l'histoire. Donc c'est là qu'on voit que voilà, ça tourne autour du scénario. Cet épisode, de toute façon, c'est du scénario classique. Plus que. Enfin, il n'y a que ça, quoi. Fini les tombeaux, les méchants stéréotypés. Non, maintenant c'est purement. C'est travaillé. D'ailleurs, moi je trouve pas qu'elle soit si pourrie que ça, franchement. Cette trilogie, vous me direz si vous l'avez aimée ou pas. Mais moi je la trouve pas pourrie du tout. Je la trouve même super travaillée. Comparé à ce qu'on nous avait fait avant avec les Tomb Raider 1, 2, 3. Le scénario est beaucoup plus travaillé, même les décors sont beaucoup plus travaillés. Mais après, bon, non. Le premier c'est indémodable, ça c'est une certitude. Bon, je peux pas critiquer le premier, c'est impossible. Surtout que c'est mon premier Tomb Raider. Allez. Attends, ça l'est un peu pour tous, je pense. Voilà, donc ça fait déjà deux trousses de soins. Donc là, il n'y a pas. Comment on fait déjà pour accéder déjà? Je me rappelle plus. Alors, cherchons. Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Ah oui, peut-être qu'il faut. Ah ouais. Peut-être remonter là. Pourquoi est-ce que sa voix bug? Je comprends pas. La capture qui fait ça. C'est la capture. Pas de soucis. Ouais, ok. J'ai rien compris ce que tu m'as raconté, mais bon, c'est pas grave. On t'entendait juste à peine. Allez, c'est parti. On t'entend pas, je t'entends pas. Je ne t'entends pas, je ne t'entends. Je t'entends pas. Désolé. Je t'entends pas. Tu peux pas le. Putain, faut. Ah, faut se mettre de l'autre côté. Sûr et certain. Oh là là. Voilà. Ouh, ça c'est chiant ça. Allez, c'est parti. Allez. Ne perdons pas de temps. Donc on peut toujours sprinter, ça c'est. Voilà. Partie du gameplay. Après, bah, c'est tout, hein. Écoutez, je peux pas rajouter autre chose, hein, à part, voilà,
Même si c'est un nouvel épisode, qu'est-ce qui a changé à part le scénario et puis. Puis la restriction, bah pas grand-chose. Pas grand-chose. Malheureusement, pas grand-chose. Les décors, je sais pas s'ils sont plus travaillés. Je pense pas. Oh oui, mais on n'entend rien en plus de ce que tu racontes. Alors à quoi ça sert que tu me parles? Oh. Allez! Eh bé. Oh, puis en plus je m'énerve sur les touches, alors ça va pas faire. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Il y a un autre levier là-haut. Actionnez-le, puis redescendez en vitesse. Nous toucherons au but. Ah là là. Oh non, non, c'est pas un passage. C'est trop pixelisé pour un passage, voyons. Ah, j'ai perdu de l'énergie. Intéressant. Intéressante théorie. Appuyez sur la touche sauter et maintenez la touche action. Puis appuyez sur la touche avancée pour vous balancer jusqu'à l'autre côté. Si vous relâchez la touche action, c'est le plongeon. C'est le plongeon. Il va passer à travers, regardez. Il va passer à travers. Super, super. Allez, allez, allez. Il n'a pas de torche, lui. On n'y voit que dalle, là. Ah, on ressort. Ah, il y a du cochon. Ouais, il va le tuer, regardez. Regardez. Il va mettre 3 ans pour le tuer. Donc, nous, pour l'instant, on va chercher... Ah, putain, puis il me bouffe, l'enfoiré. Il y a quoi par là? Y a pas de tête de squelette là, y a pas de crâne en or. Ah si là, regardez. Oh. Mais il fait quoi l'autre pour tuer les phoques aux chères? Il va pas mettre 3 ans non plus. Regardez-le, regardez-le. Regardez, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Vraiment. Cours, grand-père, il est parti de l'autre côté. Oh, le facochère qui va à peine crever, quoi. Je viens vers toi, tu me fous un coup de cut si tu veux. Bah non. T'as été trop lent. Et voilà, il l'a tué. Et il disparaît. Voilà. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ah, je vous assure. Ah, mais c'est hilarant quoi. Hilarant. L'irralentité. Je sais pas comment qu'on dit. Y a quoi par là? Alors, tu me caches la caméra, Werner. Ah. Elle se bouffe tout le temps, toujours autant de murs. Hein. Par contre, ça, ça n'a pas changé. Pas de crâne. Non, y a pas, y a pas l'air, y a quoi là? Qu'est-ce qu'il y a là? Y a rien là. Ok. Donc là-dessus, je peux pas grimper. D'accord. Ok. Oh putain. C'est même étonnant qu'on. Ah, y avait une tête là. Non? Ah non. Non, non, non. C'est maintenant qu'il n'y a pas de tête de squelette là. Ah bah voilà, je me disais bien. Ça va nous servir à quoi ça?
comprends pas trop là, hein, l'intérêt. Doudoudoum. Quel est l'intérêt? Il y en a encore une autre. On en ramasse au moins 10 par niveau. On sait même pas à quoi ils nous servent. Peut-être à sauvegarder. Je sais pas. Non, 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 la sauvegarde est automatique, voire même bah, elle est manuelle. Je crois qu'elle est manuelle, ouais, c'est ça. Oui, allez, allez, allez. Oh, ouais. On va pas passer 3 ans non plus, hein, c'est bon. Allez, allez. Ce que vous racontez est inintéressant. Merci. Faut que je passe par là, c'est ça? Oui, je sais, c'est un trou, il faut que je l'utilise en... Ah, on peut passer les cinématiques apparemment, je sais pas comment j'ai fait. Allez. Vas-y Lara, vas-y, vas-y Lara. Oui, c'est bien, oui, c'est bien, oui, c'est bien. Ah, recule alors. Allez, c'est parti. Motivé, motivé. Petite cinématique. Attention, moment cultissime. Et voilà donc comment elle a récupéré ce fameux sac à main. Elle est riche à des millions. Non, attendez, attendez. Pour vous expliquer un peu le bordel, parce que c'est un peu tiré par les cheveux aussi, ça quand même. Hein, faut dire ce qui est. Elle est riche à des millions, mais elle tombe sur le sac à main d'un vieux explorateur. Et elle va lui faucher, histoire de dire. Voilà, mon sac, je l'ai récupéré sur un vieux cadavre desséché. Pff, moi, je comprends pas. Je comprends pas, c'est... Pourquoi ils ont mis ça? C'est quoi, ça, par contre? Non, ça n'a rien d'intéressant. Voilà, on a tiré le levier, voilà. Excellent, n'est-ce pas? Non, mais franchement, vous trouvez que ce jeu est intéressant ou pas? Enfin, moi, je trouve que ça fait penser au Tomb Raider habituel. Mais ce didacticiel, franchement, ils auraient dû nous laisser le choix, oui ou non, de faire ou pas, quoi. Merde, c'est pas fun, là. C'est pas fun, quoi. J'entends pas ce que tu dis. Je suis désolé, j'entends pas. Pourtant, le son est à fond, je n'entends pas. Oh, puis le truc cliché, quoi. Le sac à main avec les drapeaux dessus, quoi. Oh, oh, oh. J'avais jamais fait attention. Mais que c'est cliché. C'est rempli de clichés, mon Dieu. Oh, merde, là, faut courir, là. Je me prends tout. Oh, merde. Ouh. Attendez, je vais me prendre un petit truc, là, parce que... On va peut-être sauvegarder aussi parce que c'est dangereux de rester à couvert comme ça. Vide, sauvegarde des données. Bah merci de sauvegarder. Hein. c'est bien sympathique de ta part. Ouais, ok. Annulé. Voilà. Excellente. Pourquoi je me suis pris autant de flèches alors que lui il a rien eu, je comprends pas. Ah ça y est, il a sorti le couteau. Il va chercher à se battre contre eux. Mais pourquoi il va là? C'était pas plus facile. Non, attendez, attendez. Regardez-le. C'était pas plus facile de monter là. Oh putain, moi pas comprendre. Hein. Moi pas comprendre.
Et là, c'est pas plus facile. Non, mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'il fait ça? IA pourri, voilà. Ça, ah oui, bah ça, c'est peut-être un point. L'IA n'a pas changé dans ces jeux. L'IA n'a pas changé. Ils sont toujours aussi débiles. C'est ça le problème. Remarquez dans les jeux d'Eidos maintenant, l'IA n'a pas tellement changé non plus. On va pas se mentir. Déjà dans le dernier Tomb Raider, je voulais juste l'aborder pendant le vidéo test, mais je me suis dit, là je me dis pourquoi pas, là vu que c'est le moment. Hein, après tout, c'est voilà. L'IA vole pas plus haut qu'un nid de coucou. Hein? Qu'est-ce que je raconte? Un nid de coucou. Ça me fait penser à un film avec Mel Gibson. Non, c'était un oiseau sur la branche. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Vol sur un nid de coucou. Enfin, je me rappelle plus, c'était un titre de film, quoi. Pourquoi j'ai utilisé cette expression? Mon Dieu, misère. N'ayons qu'à les palottes à les phosphorescentes dans la. On va au moins finir le tutoriel et après on cessera là-dessus. Hein. Écoutez, la révélation finale, c'est un jeu qu'il faut faire. Ensuite, bah, celui que je vous montrerai après, les traces de Lara Croft, c'est un jeu aussi qu'il faudra faire. L'Ange des Ténèbres, c'est un jeu qu'il faut faire. De toute façon, c'est une trilogie qu'il faut se taper. Faut la faire. Il faut la faire. Si vous aimez bien Lara Croft, il faut la faire. Il faut la faire. Ne faites pas d'impasse sur cette trilogie. Parce que clairement, c'est une trilogie, c'est pas Tomb Raider 4 celui-là. Non. Même s'il a été considéré comme, pour moi, non, c'est un reboot. C'était un reboot, tout simplement. À l'époque, c'était un reboot celui-là. Et ça, simplement, c'était pas considéré comme. Voilà. D'où le problème. Tu vas actionner quoi, toi? Qu'est-ce que tu vas nous actionner? Qu'est-ce que tu racontes? J'entends rien. J'en entends rien. Ouais, mais t'as. Ah, il va actionner quoi? Lanterman. Je suis vraiment Lanterman. Faut que j'aille où là? Where I want to go. Ah, peut-être là. Non. Non. I want to know. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire pour monter là-haut? Peut-être comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Bah, mince, comment on fait déjà? Je me rappelle plus. Ouais. 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 Il y a forcément un endroit où on peut escalader. Oh, je me rappelle plus. Ah là oui d'accord. Ok, j'avais pas vu la petite corniche dans le coin là. Ah mais je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Excuse-moi, excuse-moi. Oh, excuse-moi, Werner, excuse-moi. J'avais pas vu, j'avais pas vu. C'est ma faute. Allez, non. Tu peux pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah d'accord, faut appuyer en même temps sur le bouton pour s'accroupir. Bien évidemment. Eh bah dis donc. T'es bon? Tu peux te relever? Merci. Là, par là, c'est sûr et certain. Non. Ah oui, la corde qui a fait son apparition. Par contre, ça, ils ont peut-être pu éviter de la mettre. Hein. Parce que sincèrement, mais que c'est. Oh, j'en ai marre de ces tutoriels qui se mettent en route alors que t'es en train de faire l'action. J'entends rien de ce que tu racontes. J'ai pas envie d'écouter en même temps ce que tu racontes. Alors ça me saoule. Oh là là. C'est quoi ce bruit? Mais quoi? Il fallait rester appuyé. Oh là 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 là, la perte de temps. Oh la perte de temps. Mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je perds du temps. J'aimerais bien vous montrer au moins un petit peu de gameplay quand elle est grande. Avec ces deux flingues là. Oh. D'ailleurs, pour info, le jeu se passe essentiellement en Égypte. Hein. D'ailleurs, je me rappelle plus après quoi Lara court, après quel mythe, je me rappelle plus du tout. Là, je pourrais pas vous aider là-dessus.
Ouais, que vous regardiez sur internet parce que là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Désespérant. C'est désespérant. Au possible. On essaie de se concentrer pour pas qu'elle tombe. Allez, vas-y. C'est bon, Lara. Hein. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Oh, je comprends rien. Ça y est, je comprends rien, ça m'énervait. Oh, je comprends rien. Ah, oh, je me rappelle que j'avais mis, je sais plus combien de temps là, à faire ce truc-là, ce truc de mes deux là. Qu'est-ce qu'elle me faisait en plus là? Ouh, dépêche-toi. Ouh, dépêche-toi. Ça fait déjà 30 minutes, 40 minutes qu'on joue. Pourquoi est-ce qu'elle monte? Ah, je comprends pas. Comment on fait pour... Non, attendez. Comment on fait là? Mais comment on fait? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Comment on fait pour se balancer? Oh là 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 là! On va mettre encore 1 heure pour se balancer. Mais c'est pas vrai, mais je vous assure. Oh, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des tutoriels là où lui il parle? Pour nous expliquer les touches, quoi. Oh là 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 là, mais que c'est mal foutu ça. Quand mettre 1 heure pour trouver comment on fait pour se balancer, mais c'est pas vrai. Oh, putain. Ça, tu vois, vous voyez, ça c'est... Oh non, 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 non. Oh là là, oh là là, ça m'énervait. Oh là là, oh là là, oh là là, ça m'énervait. Oh là là, oh là là. Heureusement, vous êtes pas là, les gars, parce que franchement, j'en prendrais un pour taper sur l'autre là. Oh. Pourtant, c'est moi qui fais les conneries, hein. C'est moi qui fais les conneries. Allez, on se calme, on se calme. On respire. On va se prendre un petit moment Ricola là. Même si c'est un effet laxatif, on s'en fout. On ira faire ce qu'il faut plus tard. Mais si vous voyez ce que je veux dire. Pas besoin de vous faire de dessin. Je sais même pas en plus combien il y en a dans la boîte. En tout cas, c'est vraiment bon quoi. Oh, le goût que ça, c'est un truc de ouf. Surtout sur la cranberry, franchement, j'ai pas encore trouvé goût meilleur. Qu'est-ce que... Bon, comment on fait pour se balancer là? Ah, parce que... Si je relâche, voilà. Si je relâche. Si je relâche, elle... moi pas comprendre, senior. Moi pas comprendre, senior. Si je relâche la touche, elle tombe. Je comprends pas. Je comprends pas. Faut sûrement appuyer sur une touche. On va essayer sur R2. Vous savez quoi? On a essayé toutes les touches maintenant. Le haut, le bas, ça ne marche pas. Elle remonte sur la corde, donc ça ne sert à rien. Carré, ça ne sert à rien. Je pense que c'était sur carré pour se balancer, mais non. Apparemment, non. C'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. On va mettre 1 heure pour passer ce passage, les gars. Ah voilà! C'est comme ça. Ah, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, balance-toi.
Oh putain, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là! Oh, je me rappelais plus que c'était aussi chiant là. Ah si j'aurais su, j'aurais avancé. Parce que ça va être encore n'importe nawak. Encore faire une heure de vidéo sur une corde. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est débile, je vous assure. Mais putain, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que cette manette bug? Ah, puis mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve cette manette? Ah, les DualShock, hein, je vous assure, les DualShock. Ah, manette de merde. Tout simplement. Pouh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, vas-y là. Qu'est-ce que tu me fais là? Les DualShock, je crois que c'était les pires manettes construites depuis. Je parle du premier du nom, hein. Bien sûr, les nouvelles consoles, enfin, les nouvelles DualShock tiennent beaucoup plus la route que les anciennes. Hein. Bon, on peut y aller là, c'est bon. Oui, bah prélasse-toi, voilà, prélasse-toi, c'est bien là, c'est bien, je vais t'en foutre une, mais c'est pas grave. Oh là là, oh mamé, oh mamé, mamé blue, oh mamé blue, oh mamé, mamé blue, oh mamé blue, mamé, 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 oh mamé. Oh mamé, mamé blue, oh mamé blue. Cher Nicoletta, tes musiques sont excellentes. Pour ne pas critiquer. C'était pas de ma génération. Mais ça ne m'empêche pas de connaître Nicoletta, qui est actuellement dans Un air de star sur M6. Donc je fais un peu de pub, hein, comme ça. Moi pour pas le... Putain. Mais pourquoi j'ai pas sauté? Oh non non, mais c'est encore n'importe quoi cette vidéo, c'est encore n'importe quoi, je le sens là. Oh là 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 là, mon dieu. Je me mets en plus de parler de Nicoletta. Non mais attendez. Ça sert n'importe nawak. N'importe nawak. Plus ça va, plus ça devient n'importe quoi mes vidéos. Oh, je vais pas rendre hommage à ce jeu. Ouh là là, non. Non mais attendez, c'est un passage super simple. Hein. Alors je vous raconte pas. Hein. Oh là là là, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce gameplay avec les cordes? Oh là 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 là, je crois que ça a été la pire idée qu'ils ont jamais mis, quoi. Pour vous dire, ils l'ont même retiré dans l'ange des ténèbres et sur les traces de Lara Croft. Hein. C'est pour vous dire à quel point, quoi. À quel point c'était une idée de merde. Maintenant. Voilà. Je sais pas comment on fait pour sauter. Mais putain. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va y arriver les gars ou pas? On va y arriver ou pas? Vous pensez? Ça fait la deuxième vidéo que je coince sur un niveau comme ça. C'est pas tellement le... Oh, mais pourquoi est-ce que je bloque là? Attendez, on va essayer de se concentrer. Parce que là je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure, ça commence à me prendre le chou. Ah voilà, on va changer. On va jouer avec le joystick là. Vu que je peux interchanger, c'est pas mal ça comme idée. Bon, c'est pas les DualShock premières du nom, hein, celle où il n'y avait pas les joysticks, c'est les deuxièmes. Non, pas ceux de la PlayStation 2, non. Deuxième modèle de DualShock de la PlayStation 1, qui était largement meilleur, je trouve. Parce qu'il y a certains jeux, franchement, avec les flèches, mon dieu, fallait s'y taper. Hein. Fallait s'y taper, les gars. Ouh. Bon, c'est bon, je suis en face, là. Pas grave. Oh, mamé. Oh mamé, mamé blue, est-ce que tu peux descendre? Voilà, c'est pas mal ça. Voilà. C'est comme ça qu'il fallait que je fasse. Voilà. Et non mais sérieusement quoi. Niveau qui a pris une heure pour passer quoi. Non mais c'est tout décis ça. Hein. Ah putain quoi. Non mais attendez.
Je crois même qu'il va nous proposer une course en plus. Oh, c'est très intéressant ce que tu vas nous proposer là. Venez, on fait une course, Lara. Déjà que c'est déjà assez chiant comme ça. Ouais, non, là-dedans, il y a quoi, là? Ah, petit chargement. Je suis désolé, hein. C'est pas une vidéo très intéressante, hein. Là, clairement, c'est pas... Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Ah. Vous êtes une élève brillante, Lara. Même si vous ne possédez pas encore la flamme qui anime tous les aventuriers, cette soif de vaincre à n'importe quel prix, je vous lance un défi. Ça bug beaucoup, hein. Le premier qui parvient à l'iris se l'approprie. Comme vous voudrez, vieil homme. Mais je vous préviens, je ne fais pas de cadeau. Je n'en attendais pas moins. À vos marques. 3. T'as de l'avance. T'as de l'avance. T'as de l'avance. T'as de l'avance. Partez. C'est bon là, on a compris, ça y est. Aïe, aïe. Regardez, il part en avance. Regardez, vous avez vu comment il est parti en avance? Est-ce que c'est normal? Alors déjà que nous on sait même pas trop où aller, voilà, on suit limite. Alors quand on est en avance, je sais même pas si... Franchement, on peut le réussir, mais... Il faut le réussir. Donc là en fait c'est vraiment... voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Mais non ! Ah, c'est d'une débilité là. Ah, l'enflure. Enflure. Ah, faut pas que je cours comme ça dans les petits couloirs comme ça. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, c'est pas grave. De toute façon, qu'on perde ou qu'on gagne, hein, de toute façon, je vais vous dire la différence. Il n'y en a pas. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais il est où lui? Il est déjà parti à me péter au schnock lui. Ah, mais par contre j'ai une baisse de d'FPS des fois. C'est... Regardez là. Par exemple là. Là j'ai une baisse d'FPS. Incompréhensible. Allez c'est parti là. Allez. Oui. Pourquoi est-ce que les FPS chutent comme ça? C'est dingue. Je suis à 40 FPS là. Je sais pas combien ils tournent. Peut-être 50. Je sais pas. Peut-être 50, ouais. Je pense que c'est à 50 qui tourne. Je saurais pas dire. Je ne saurais que trop dire, à vrai dire. Oh, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là avec cette phrase qui ne veut rien dire. Putain, j'en fais des rimes. Mais tout le temps avec le mot dire, quand même, c'est un petit peu limite. Ah, chier. Chiotte. Voilà. Putain, mais... Oh, mais c'est injouable. Attendez, c'est quoi ces FPS là? Chutage de FPS, c'est dingue. Ah, depuis quel chrono là? Affiché à l'écran, c'est. C'est Bagdad hein, pour jouer. Hein. Ouh! Je vous raconte même pas. Donc là pour l'instant, je fais que de le suivre. Hein. Je vais pas me casser le. Voilà, je vais pas me casser le roulis. C'était quoi cette musique? Il est arrivé, c'est pas ça, c'est ça en fait? Bon, faut aller où là? Faut aller là? Ouais, normalement c'est pas comme ça qu'on joue, hein, je vous le dis tout de suite. Bravo! Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bug? Attendez là. Ouais. Ah oui, non, parce que c'est à moi de mettre le bras, c'est ça? Ah mais oui, mais là en même temps on est obligé de perdre hein. Si ça nous met le bras. C'est débile. Je comprends pas. J'ai jamais fait attention à ça. C'est débile. Si ça nous met le bras, forcément qu'on va perdre. Et oui. Ah, pas si mal pour un vétéran, hein. Venez ici, fillette. Il faut deux personnes pour activer le mécanisme. Les écritures sur le socle promettent le châtiment à quiconque s'en empare. Vieille Baliverne, oubliez donc ces absurdités et venez m'aider.
Je ne compte plus les fois où vous m'avez parlé de fléchettes empoisonnées ou de mécanismes d'ensevelissement. Je crois que nous devrions respecter ce lieu. Ah, vous semblez oublier que vous n'êtes pas la plus célèbre des archéologues, Frau Lein. Nein, non, c'est moi, le fameux archéologue, l'aventureux Werner von Kroy, vous entendez? Et vous vous plierez à mes exigences. Allez jusqu'au mur et actionnez le levier. N'est-ce pas vous qui affirmez que le manque de respect est la voie royale vers la négligence? Je suis fatigué de tout cela. Actionnez ce levier, Miss Croft. Vous l'aurez voulu, Monsieur von Kroy. Et vous apprendrez bien plus que... Et ben voilà, ça tremblote, ça gigote. Slow motion. Tenez bon, je viens vous aider. Comment? Oh, t'es foutu, mon pote. Oh. Quel coup de chance. Et voilà. Donc on va faire quelques petites minutes avec elle, voilà, comme ça, là. Tant que Lara Croft est pure et dure. Et on va cesser là-dessus, je pense. Hein. On aura déjà vu pas mal de séquences.
Voilà. Égypte cette année. Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Bon, voilà. Hein. Écoutez, moi, je pense que je vais arrêter de parler maintenant. Hein. Les images ne parlent que d'eux-mêmes. Donc, toujours nos fameux 9 mm là. Toujours des munitions par contre là. Ça c'est le fusil à pompe que vous récupérez dès le début, vous voyez, ils se sont pas fait chier. Donc ça se présente comme ça, hein, le. Donc là vous avez les jumelles. Oui mais j'aimerais bien les utiliser, pourquoi je peux pas les utiliser? Ah bon. Moi, je pense qu'on va cesser là-dessus, écoutez, hein. On va pas aller plus loin. Vous aurez déjà vu la présentation de ce révélation finale. Donc, salut tout le monde, c'était Décimi460 et vive la passion du jeu vidéo! Salut tout le monde!
us together.